Aujourd'hui, j'ai choisi de lire avec vous dans le prophète Jérémie, au chapitre 18, les versets 1 à 12. Parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Descends chez le potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier. Il faisait un ouvrage sur le tour. La poterie qu'il faisait fut manquée, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit une autre poterie, telle qu'il lui plut de la faire. La parole du Seigneur me parvint. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Déclaration du Seigneur. Comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de déraciner, de démolir et de faire disparaître. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une maison, d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui me déplaît, sans m'écouter, je renonce au bien que j'avais parlé de lui faire. Maintenant, je te prie, dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur, je façonne un malheur pour vous, je prépare un plan contre vous, que chacun de vous revienne de sa voie mauvaise. Réformez vos voies et vos agissements. Mais ils disent, à quoi bon ? Nous suivrons nos pensées. Chacun de nous agira selon l'obstination de son cœur mauvais. Je vous invite à chanter le cantique 184, les strophes 1, 2 et 3. Prions ensemble. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole, source de nouveauté.
Les paroles de ce texte du livre de Jérémie nous présentent une théologie de la rétribution, selon laquelle Dieu traite son peuple d'après sa conduite. C'est un Dieu qui punit ou qui récompense, qui nous est présenté ici. Ces propos sur Dieu sont devenus presque inaudibles à notre époque, en raison de leur binarité. Mais faut-il pour autant refuser entièrement cette lecture du livre de Jérémie ou en tirer quelques enseignements pour notre foi? En effet, si Dieu est ici présenté comme un juste juge qui sanctionne les mauvaises actions de ses fidèles et les tient dans sa main comme une argile privée de volonté ou de libre arbitre, la réflexion sur l'incapacité des hommes à réformer leurs agissements a de quoi nous intéresser encore aujourd'hui. À quoi bon ? Le « à quoi bon ?» nous suivrons nos pensées, chacun de nous agira selon l'obstination de son cœur mauvais, est toujours un trait marquant de nos sociétés. Le prophète Jérémie est le prophète d'une période difficile dans l'histoire d'Israël. Le pays est déjà coupé en deux. C'est un pays affaibli, disloqué, en proie aux aléas d'une histoire que les rois successifs, tant au nord qu'au sud, ne maîtrisent pas. Jérémie est le prophète des exils successifs et des infidélités du peuple de la tribu de Juda envers le Dieu d'Israël. Les Assyriens dominent d'abord la région et déportent les élites du pays. Puis la Syrie elle-même s'affaiblit et devient la proie de Babylone avec le roi Nabucodonosor, puis de l'Égypte, qui voudrait contrer Babylone. Jérusalem est dans cet état international un fétu de paille au milieu de cette tempête. Et pourtant, pendant les temps les plus durs des déportations successives, un roi que la postérité retiendra comme un roi juste va être donné au royaume de Juda, le royaume du Sud, et ce roi, c'est Josias. Pendant son règne, il ne va avoir de cesse de réformer son petit royaume écrasé au milieu des grandes puissances. Lui, le roi d'un territoire très petit, mais au centre de la géographie des empires, ne va pas céder à la tentation de la corruption ni à celle de l'abandon. Josias veut reconstruire le temple de Jérusalem, détruit par les guerres successives. Et comme un miracle, une révélation a lieu au milieu des ruines. On retrouve un rouleau sur lequel est écrit un texte qui constituera désormais la matière première de la réforme religieuse et nationale du royaume de Juda. Ce rouleau est celui d'un texte de loi qui n'est autre que ce que nous connaissons sous le nom de Deutéronome, littéralement la deuxième loi. La découverte du rouleau est un motif de remise en question du peuple et de ses agissements. Pour Josias, il est clair que le peuple est dans cet état de déliquescence parce qu'il a oublié la loi divine. Il est temps de réformer les institutions du pays, pense-t-il. Comme dans toute période de grande réforme, c'est un système devenu inacceptable qui révèle la nécessité de réformer. Les privilèges de quelques-uns, les abus de pouvoir ou les inégalités scandaleuses que Josias constate dans son royaume font surgir le réformateur qu'est Josias, qui refuse de dire « à quoi bon ?» Et c'est vrai sans doute dans toute société. Quand il y a trop d'inégalités, trop d'iniquités, alors les réformateurs surgissent. Durant la période qui nous intéresse ce matin, un prophète se lève pour parler de ce peuple qui n'en fait qu'à sa tête, et c'est Jérémie. Lui, si jeune, qui n'a, dit-on, que 17 ans quand il commence son ministère de prophète, il est originaire d'une ville maudite. Et oui, cela existait à cette époque.
Salomon avait exilé dans cette ville une famille de prêtres qui avaient désobéi. Depuis, la ville était maudite, stigmatisée dans toute la région comme la ville des prêtres bannis de Jérusalem. Jérémie est donc marqué par la honte. Il vient d'un endroit d'où rien de bon ne peut sortir. Et pourtant, ou justement à cause de cela peut-être, il va prophétiser et soutenir l'idée d'une réforme civile et spirituelle du royaume de Juda. La Bible nous raconte comment Dieu lui apprend ce qu'il veut pour son peuple. Dieu s'adresse à Jérémie et lui demande d'aller dans la maison du potier afin d'y voir le geste de l'artisan qui travaille l'argile. Ce choix du travail de la terre, qui est d'abord froide et dure et qu'il faut réchauffer au creux des mains pour qu'elle se laisse enfin façonner, rappelle le rapport si particulier qu'il y a entre le geste du potier et la terre qui résiste. Loin d'être inerte, la terre est influencée par l'humidité, le froid, comme si l'air du temps l'altérait et la rendait tantôt trop malléable, tantôt trop résistante au geste du potier. Il y a dans cette métaphore de la poterie toute la difficulté à faire advenir une réalisation concrète de l'objet, du projet, de l'œuvre qu'on a en tête. Le modèle est clair, il semble même facile, mais tout ne se passe pas comme prévu. L'obstination n'y peut rien, car plus les mains travaillent la terre, plus la terre devient chaude, molle et incontrôlable. Elle s'effondre sous l'effort et tout est alors à refaire. Dans le texte du prophète Jérémie, le potier rate d'abord son vase. Il doit écraser la terre pour tout recommencer. Cette image du Dieu potier dit ainsi plusieurs choses essentielles pour faire comprendre la relation de Dieu à son peuple. D'abord que Dieu rate parfois son œuvre, ce qui relativise sa toute-puissance et l'intransigeance de ses jugements. Ensuite, qu'il recommence jusqu'à ce que le vase soit conforme à ce qui lui plaît. Il faut qu'il puisse dire, comme dans le récit de la création, « Il vit que cela était bon ». Dieu a donc un projet de réussite pour son peuple. Son exigence est une façon de bénir son peuple, de lui souhaiter du bien. En lisant une parabole comme celle du potier, il faut se souvenir que la rédaction des livres de la Genèse ou des livres de la Sagesse sont écrits en période d'exil ou après l'exil, au moment de la reconstruction de la culture d'Israël. Ainsi, cette image de la terre et du façonnage du peuple par Dieu, un Dieu artisan, n'est-elle pas si loin de celle qui est employée pour parler de la création d'Adam, par exemple ? Adam le terreux. Les textes semblent éloignés chronologiquement dans la Bible, mais dans leur rédaction, ils proviennent de la même culture, de la même vision de Dieu. Un Dieu qui ne parvient pas à rendre compte des vicissitudes d'un peuple de croyants. Ils proviennent aussi surtout du même questionnement d'un peuple qui reconstruit sur des ruines institutionnelles et qui cherche à refonder un pays meurtri, dont les codes ont été profondément changés par l'intervention de nations étrangères et de cultures différentes. Josias, le roi juste qui tente de réformer son peuple et son royaume, sera tué à Megiddo dans une bataille qui devait empêcher aux Babyloniens de marcher sur le pays. Le royaume de Juda a choisi le mauvais allié, l'Égypte. Il a choisi le perdant. Et il y aura donc encore une période d'exil, une période de guerre et donc de destruction. Le livre de Jérémie porte en lui cette question : comment expliquer que le juste ne l'emporte pas ? Est-ce que les menaces et les vœux que renferme le texte de Jérémie « Je façonne un malheur pour vous et je prépare un plan contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie » Est-ce que ces menaces et ce vœu suffiront à faire changer le peuple de Dieu ? Quel est ce Dieu
qui a comme argument dominant la menace. N'est-ce pas un Dieu faible, un potier qui ne réussit pas à obtenir le vase dont il avait le projet? Les tenants du « à quoi bon » avaient-ils raison après tout? Les réformes ne servent-elles à rien? Ou sont-elles toujours vouées à l'échec? Le livre de Jérémie interroge notre foi sur la capacité que nous avons à nous laisser réformer sans cesse par la parole de Dieu. Il est sans doute plus facile à dire « à quoi bon ?» et continuer à agir comme on a l'habitude d'agir sans se poser la question de l'avenir, de la construction de demain, que de remettre en question ses certitudes, ses habitudes, sa routine. Réformer sa vie demande des efforts, un travail sur soi et l'acceptation d'une adaptation au temps qui passe et aux époques qui changent. Ces efforts de réforme sont si difficiles qu'ils font dire à certains qu'un pays ou une institution est impossible parfois à réformer. Pourtant, la vie même nous oblige à changer sans cesse de méthode, de façon de penser, de projet, sous peine de sclérose et de mort. L'artisan d'art lui-même, qui détient des savoir-faire ancestraux et sait refaire à l'identique les gestes des maîtres, innove sans cesse dans son métier et son excellence tient en sa capacité à chercher de nouvelles méthodes qui réinterprètent les gestes du passé en les mettant au service de défis nouveaux. Et même en matière religieuse, l'exemple du moine Martin Luther nous montre que c'est à force de recherche sur les textes bibliques et leur structure traditionnelle qu'il a proposé la réforme d'institutions qui s'étaient perdues dans une impunité et une arrogance qui défiguraient le message qu'elles étaient pourtant censées porter. Jérémie nous apparaît tout à coup si proche de nous. Il semble bien que sans cesse, Dieu, comme un potier persévérant, se propose de façonner la vie de ses enfants en montant la terre qu'il a pétrie dans ses mains pour lui donner vie. Paul reprendra cette image des vases d'argile pour dire que ce que nous sommes dans notre relation à la parole de Dieu, ce sont des vases pour transporter le trésor que Dieu nous donne. Quand le potier fait ce geste magnifique de monter le vase sur le tour, il crée du solide autour du vide. Paradoxalement, il monte un creux. Étrange image. C'est peut-être cela qui nous fascine tant, comme Jérémie, spectateur de cette construction destinée à renfermer un espace vide, inconnu. Les prophètes de tout temps et les réformateurs parmi eux se sont confrontés à cette idée d'un Dieu qui façonne l'homme, qui le tient dans sa main comme de la glaise à ouvrager et qui pourtant ne peut le contraindre à la fidélité. Jérémie met sur le compte de l'infidélité du peuple le fait que les catastrophes s'abattent sur le royaume de Juda. Mais est-ce ainsi que se construit la relation entre Dieu et son peuple? N'est-ce pas plutôt le vide qui nous constitue fondamentalement, qui est le vrai défi de toute relation entre nous et Dieu? Ce vide nous oblige à la confiance, à la foi. Car nous ne savons pas ce que Dieu veut pour nous, nous nous tournons vers lui à travers des témoignages. Accepter de transformer les choses établies implique de prendre des risques et d'avancer dans l'inconnu. Comme un potier persévérant, Dieu façonne une forme pour contenir sa parole. Cette eau fraîche à laquelle il se compare, cette neige du Liban, cette eau fraîche qui vient de loin, comme dit la Bible. Dans la foi, il façonne les conditions d'une vie avec lui, source vive dans nos déserts, mais il faut du temps et des recommencements pour que le vase tienne enfin, car nous ne sommes pas toujours prêts à nous laisser façonner. C'est tout l'enjeu de notre liberté. Le Dieu de la Bible est un Dieu de liberté.
La confession de foi d'Israël est d'abord la mémoire d'avoir été libéré de l'esclavage en Égypte. C'est là le paradoxe d'un Dieu qui rend libre et qui donne pourtant ses prescriptions. Il veut obéissance et dans le même temps, il nous rend libres. Martin Luther, dans son expérience de foi, parlait d'un serf-arbitre. Il avait compris que la foi en Dieu le sauvait et que l'obéissance à Dieu était la condition même de sa liberté. Se laisser façonner autour du vide de nos vies, toutes ces choses que nous ne pouvons savoir de nous-mêmes et de notre destin, c'est sans doute l'apprentissage de toute une vie. Apprendre à être docile à Dieu pour être libre. Argile dans les mains d'un Dieu pour devenir vase pour sa parole libératrice. C'est sans doute une image possible de ce qu'est la foi. En ce début d'année 2020, j'ose nous souhaiter, au milieu des remous que provoquent les essais de réforme sociale de notre pays, une capacité à nous adapter aux défis que l'avenir nous réserve et une capacité à résister au « à quoi bon ?» Défaitiste, un « à quoi bon ?» qui n'espère plus en l'avenir d'un monde meilleur, qui nous ferait facilement baisser les bras, comme s'il était impossible de réformer quoi que ce soit et de changer de comportement. Les églises ne sont pas là pour dire aux politiques ce qu'ils doivent faire. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais la foi nous porte à espérer sans cesse et à annoncer la vie contre la fatalité du lendemain. Dieu ne se désespère pas de nous façonner. Sans cesse, il revient à l'ouvrage. Alors acceptons la tâche qui nous est confiée de construire l'avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Acceptez le changement et refusez l'immobilisme. Acceptons de réformer nos comportements sans cesse et de nous remettre en question. N'ayons pas peur du vide, de demain, du temps qui passe et qui nous oblige à ce changement. Il faut sans cesse résister à la peur de construire demain, comme un vase d'argile autour de l'inconnu. Amen. Thank you.